Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Udyr Jungle. On est avec un Sett, une Anivia, un Twitch, une Seraphine contre Malphite, Nunu, Twisted Fate, Karthus et Rell. Et on a un niveau de jeu actuellement Platine 3. Ok, c'est parti. Bon, j'ai check un petit peu les stats. Ça va être compliqué. Tac, tac, tac. Oh, c'est toujours buggé les ensembles, c'est trop chiant. Je viens de refaire mes sets d'objets et normalement la potion doit être là. Ça doit être là, mais ça prend pas les positions assignées, c'est hyper relou. Nunu, 100% de win rate sur 10 games. Donc ça sent le beau. C'est bizarre parce qu'il a un compte niveau 400, enfin 300 et quelques, j'ai vu. Mais 100% de win rate, donc ça sent quand même un peu le smurf. J'espère que ça va bien se passer. Surtout que Nunu en général c'est un pick contre lequel je suis un peu en difficulté. Par contre, je vois que j'ai que 17 millisecondes de ping et ça régale. Ça dépend des games. On m'a dit que ça dépendait s'il y avait beaucoup de français ou pas dans la game. Donc, bah écoutez, tant mieux. Jouer à 17 millisecondes de ping, c'est vraiment agréable. Je trouve qu'on sent beaucoup. Alors, est-ce que c'est psychologique ou pas? Moi, j'ai vraiment l'impression de sentir la différence. Entre 17 et 28 millisecondes, je sens quand même vachement. On va essayer de pas faire de la merde contre le Nunu qui a l'air très très chaud. Mais en vrai, la compo en face me va à peu près, ça devrait me permettre de m'exprimer tranquillement. Je suis pas très inquiet. Donc là maintenant que j'ai fait mes sets d'objets pour Udyr, bon je pense que c'est à peu près ce que je vais jouer de façon assez stable. Je vais commencer à essayer de varier les champions. Le prochain que j'aimerais bien jouer c'est Olaf pardon. Ensuite on verra pour Ah oui d'accord. Allez c'est bon. Est-ce qu'il y a besoin que j'aille récup le farm? Non, je pense que c'est ok. Ça fait chier. Hein. Le Nunu Smurf 100% de win rate qui prend déjà un kill. Ça annonce une game qui va être probablement très compliquée. Va falloir lâcher le meilleur no tilt, hard focus, hard tryhard. Mais bon, c'est ce que je sais le mieux faire, donc il n'y a aucun problème. Ça va, elle s'en sort à peu près. Okay, j'ai l'impression qu'il y a une ward qui a été posée dans la river par là. Normalement, le Nunu était bot side. Je pense pas être en danger de me faire voler ça. Hop, on va rush le carap. Peut-être go top. On va voir. Ouais, Nunu top. On va voir est-ce que je peux arriver à temps pour faire quelque chose. Non. Sans surprise. Vraiment là? Même avec le boost du Kara, putain, je pensais le toucher, je suis un peu déçu. Ok, ça va aller, hein. Hop. On peut y aller, hein. Bon, je vais essayer de prendre les deux Kara du coup. Le Nunu, je peux le détruire si je le croise. TF il a plus de vie, il a du back. J'ai encore un smite, mais je vais le garder je pense. Bon j'ai quand même un start qui est plutôt bon. J'ai encore un flash. Est-ce que c'est wardé? Je pense ouais. Que j'arrive au mid si des fois, mais par contre je sais pas ce qu'elle fout, mais c'est insupportable. Elle va nous foutre dans la merde si elle continue à crever en boule comme ça. Nunu qui prend tout, pourtant je fais de mon mieux mais il récupère partout les kills. Et c'est un perso qui est compliqué à chase en fait. Avec ses boules de neige de mort là. Bon moi j'ai un très bon start, j'ai double carap mais bon. Anivia 0-2, je sais pas pourquoi elle continue à s'exploser comme ça, elle a bien vu qu'elle se faisait camper. C'est très chiant. Drake 10 secondes. Je vais faire mes loups, je vais reset.
Mais ouais, ils me font un peu stresser. Non, il faudra que je réajuste le placement de mon chat aussi à gauche là. Je sens qu'ils vont voir le Drake, ça va me faire péter un câble. C'est possible qu'on ait quelqu'un qui décale prendre la vision ou non? Je vais le rush en vrai. Ok, ils sont tous au mid. Free Drake. Faut juste m'aider à le snipe. Enfin, je le fais solo large, mais juste être sûr que je me fasse, que ça me tombe pas dessus. Mais Twitch? Bon, et ça c'est déjà très bien. C'est bordé ici. Bon, c'est une très bonne chose que j'ai pris le Drake, ça va nous mettre bien. Je vais voir, je pense que je vais faire ça, into carap, into top lane. Minu top. Full PV. Hein. Ah, le truc c'est qu'il y a un TF full life. J'ai vraiment retrouvé un 1v2 là, c'est ce que je mérite. Oh putain, il fait plus de dégâts que mon smite. On va se prendre le TF avec, non? Ouais, bah oui. Par contre, si vraiment ils veulent qu'on force, on peut. Hein. On va se faire bolos quoi, mais ouais, c'était de la merde. Pire idée, je sais pas, j'ai vu un milliard de ping. Bon, maintenant on va y aller, mais. Ouais, j'ai rien pu faire, bon. J'ai encaissé des dégâts. Mais j'ai pas du tout pu jouer comme j'aurais voulu. Bon, on va reset tranquillement sur du farm. Je préfère toujours jouer safe que de grid des trucs bizarres, mais... Bon, j'ai follow les calls, j'ai fait confiance à mes alliés, on s'en sort bien. Donc écoutez, pour une fois que ça se passe comme ça, on va pas se plaindre. J'ai quand même une petite avance de farm sur Nunu, mais le coup du mec level 5 qui prend, qui a un dégât qui fait plus de dégâts que le smite, c'est quand même technique. Allez hop. Je vais faire un full clear into reset, Drake 3 minutes. Bon. J'ai pas beaucoup de gold par contre. Ça fait une heure que je cours partout et que je peux pas faire grand chose, donc ça aide pas. Anivia qui continue à crever. Bon, elle a pris un kill au moins, on va dire c'est déjà ça. Je vais push la lane, ça lui évitera de perdre trop de farm. On va rester là-dessus, hein, ça suffira. J'ai pas assez de stuff pour l'instant. Il va peut-être venir me test dans ma jungle. On va se régène, partir en mode défensif, aller level 7. Je pense qu'il va venir me tester à mon raid, probablement. On sent bien le smurf, hein, c'est lui qui domine la game de toute façon. Depuis le début, il donne tout le rythme. Ok, ça prend un kill top. Je vais go Herald en vrai. Bon, Anivia 1-4, ça commence à être relou en fait. Oh, la mid lane qui se fait atomiser. Vas-y, j'arrive. Go tempo. Je vais essayer de caler un petit stun ce tour, mais... Ah, je vais me faire bolos. On a un mid laner qui tient pas sa lane en fait, et qui feed en boucle.
on va gérer 7. Hein. J'ai beaucoup de gold, pas grand chose de plus à faire. Ce serait tentant d'y aller, mais j'ai pas d'utilitaire, j'ai rien, je vais juste me faire tuer, donc on va jouer safe plutôt. Hop, allez Drake. Voilà. Allez, bon, le Twitch il a l'air de mettre des beaux dégâts, en vrai il a l'air pas mauvais. C'est ok, hein. Franchement j'ai pas de millénaire mais j'ai un bon ADC, franchement ça passe. J'ai pas toujours cette chance. Là, je suis peut-être allé un peu vite sur le Drake. Le timing n'était pas encore là. J'aurais pu aller check le raid en face éventuellement. Menu 50 farm. Bon, je lui mets 32 farm, mais bon, il a pris tellement de kills gratos. On va aller aider le Twitch là peut-être. Est-ce qu'on ferait pas le Drake en vrai en le forçant? Non bah je sais pas, je suis tout seul à le taper en fait. Vraiment je l'ai pas eu là. C'est abominable. Comment je l'ai pas eu, je l'ai smite. Par contre le Nunu, je sais pas, il prenait pas de dégâts. Il arrivait juste à le focus sur le tomber. Je sais pas comment on perd ça. Allez, on est tous morts, c'est bien. Et il me ping, d'accord. Je pensais vraiment l'avoir bien smite, je comprends pas pourquoi je l'ai pas eu, je devais être CC peut-être. Oh, il manque tellement rien pour acheter mon item. Bon, je vais prendre une pink. Il y a le Herald à faire, je vais essayer de le rush. Il y a encore du farmer récup mid. Bon, je vais plus rien laisser à Nivia hein, parce que ça sert à rien, je pense. On va essayer de gagner en code V5. Bon, alors, au moins elle est pas en mode troll, hein, mais juste elle pue la merde donc bon. Je suis vraiment déçu pour le Drake, je comprends pas comment je l'ai raté. En plus j'avais un level de plus connu lui, bon après il a un dégât qui fait plus de rocks que mon smite, mais malgré tout. Séraphine qui crève en boucle 6, pas ouf. Allez je vais go sur le carap, teste le Herald ensuite. Ça serait bien d'avoir un peu d'infos sur le Nunu. Et ça c'est pas mal. Je vais prendre beaucoup là-dessus. Nunubot, ok Free Herald. Ah bah, j'aurais pas le temps de le mettre sur la tour avant que les plates tombent. Go. Hop, plus d'ultimal fit, ça c'est archi rentable. Pas de hard ici. J'ai plus d'infos sur le Nunu, je sais qu'il cavale vite, bon il était bot mais... Quand même... Il n'y a plus d'ulti malfit. Hein. En vrai, je pense qu'on peut, aller le chercher. Allez, prends-le mon pote. Hop. C'est Grifox qui régale. Faut me laisser me régène. Ouch. Hop, le petit stun parfait. Les mécaniques. On prend le gros sbire. On va go prendre le farm. Moi, je lui mets 42 farm. Franchement, vu le monstre que ça a l'air d'être sur son menu, je suis assez fier de ma performance pour l'instant. Dommage que j'ai pas pu claquer le Herald avant 14 minutes, ça aurait été bien mieux. Là il me faut un bac à 1400, ok bah je vais l'avoir, c'est parfait. Je vais avoir un gros power spike.
Bon, là, on a une mid lane qui se fait ouvrir, hein, mais. Est-ce que je peux arriver à temps pour faire quelque chose? Il y avait une pink là, mais vraiment je l'ai pas clear. Pourtant, c'est typiquement là où j'en mets en général, moi, personnellement, mais. Ok, je vais aller clear la pink et je vais reset, hein, ensuite j'irai prendre mon bleu. Merde, j'ai fait de la merde sur mes postures là. Petit misplay mécanique. C'est là la pink. Ouais. Ah oui, d'accord, elle est même pas dans le bush, je suis vraiment le pire des aveugles. Ok, c'est tentant de le suivre, mais. Ok, encore un ulti de claquer dans le vide pour Malphite, ok, c'est pas mal. On lui fait bouffer de la ressource. Je pourrais même éventuellement. Prendre ça. Drake 45 secondes, celui-là c'est un important en plus. Allez, go. J'ai mon item mythique, ça va faire une grosse diff. Le Twitch qui est encore là. Voilà, Nidia qui se met à ping, on va juste la mute, hein. Elle. Ah non, bah c'est pas tout le monde crève. Juste avant le Drake en plus, c'est pas ouf. Il n'y a pas un carap là. Ah, c'est bien ça. Juste avant le Drake, parfait. On va des wards. En vrai, on peut jouer agressif, hein. Je suis un monstre. J'ai un énorme power spike là, si je peux choper le Karthus. Hop là, salut à tous. Alors je suis pas sûr que ce soit forcément opti de faille dans le machin du Karthus. J'ai essayé d'y aller, j'ai pas pu poser assez de dégâts, pas autant que j'aurais voulu en tout cas. Moi j'ai quand même fait un bon move. J'aime régénérer un peu, là je suis trop low life pour le Drake. Smite 10 secondes. Pas de smite. Ok, on l'a. GG la team. Moi, je suis très 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 bien dans ma game. Pas toujours convaincu des ultis du Malphite. Hein. 1-4, ouais. le 7 a l'air plutôt bon. En vrai, on a un bon 7, on a un bon Twitch. On s'est raffiné à Nivea, on l'a éclaté, mais ça devrait suffire. Comme je prends en plus, j'ai pris beaucoup d'objectifs. Bon, j'ai raté un Drake, mais c'est pas dramatique. Est-ce que je reset maintenant? En vrai, ouais, je vais aller bot side. Je vais pouvoir acheter des trucs. Bon, elle est déjà posée ma pink en vrai, je vais économiser pour la suite. Ok, je vais rush le bleu plutôt en face. Ils sont tous bot là. Bon, je vais plutôt... On va voir ce que je fais. Là, il y a un ulti à récup, GG. Enfin, un kill à récup, pardon. Ouais, bon, je vais rush le bleu, c'est le mieux que j'ai à faire. Le Twitch, il va tous se les faire, c'est un monstre. Go, 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 mon petit Twitch. Le Nunu, ouais, c'est du Nunu, quoi. Gameplay Nunu, ça fonce dans le tas. Il récupère encore des kills, ça fait chier. Vraiment, il y a pas de bleu là. Voilà, faut bien l'expliquer. On est d'accord que je l'atomise. C'est une blague? Mais pourquoi je l'ai pas tué? Comment il survit à ça en fait? Voilà, j'en ai aucune idée, c'est quoi son stuff. Comment je le tue pas? Bon, il est en 4-3. Je comprends pas comment il survit. Je suis choqué. C'est abusé en vrai. Vraiment, c'est... Il y a vraiment un mec qui a mis un FF là, mais putain, mais les gens, c'est vraiment des animaux sur ce jeu. C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Ah là là. On a un Drake montagne, un Drake infernal. On est en 20-17.
On a un Twitch qui se met bien dans la game et ça veut FF, c'est vraiment mais. Eh les gens, faut pas qu'ils lancent le jeu s'ils veulent. Oh putain, j'avais un bug. Faut pas qu'ils lancent le jeu s'ils veulent pas jouer en fait, mais. C'est vraiment abusé. Bon, qu'est-ce qu'il a comme stuff le Karthus que je le tue pas? Ça fait quoi ça? De la move speed. Bouclier de la. Ouais, il avait pas encore le sceptre là. Okay, je vais essayer de venir jouer un peu avec eux. Bon, le Twitch qui prend le raid, c'est ok. Ok, ça va fight à fond là. On va essayer de le choper, le petit TF. Ok, on prend des dégâts modérés, on va dire. Vraiment, je me le prends ça. On my way. Petit stun, le dash. Let's go. C'est Raffin qui prend les kills, évidemment, ça régale. Y'a pas des trucs à récup au bot là? Elle est nue, coucou. Je m'attendais à le voir là, tiens. Y'a un Karthus qui doit se balader normalement. Je vais aller check le bleu. J'espère que je me l'ai 1v1 le Karthus parce que maintenant je commence à avoir des doutes. Quand même, il va me tuer. Ulti, pas d'ulti. Ok, bah putain. J'ai presque douté que je me le faisais, hein. En même temps, il me prend mon bleu, forcément, ça me saoule. Malphite, il me tue ou pas? Est-ce qu'avec un combo, il me tue? Moi, j'ai une très bonne régène. Drake. Très très close du kill Malphite, malheureusement ça passera pas. J'ai plus de flash pour le Drake du coup, mais je pense que j'ai mis des beaux dégâts. Ah, je vais crever, faut que je fasse gaffe. Surtout pas que je crève maintenant. Limite, je ferais mieux d'aller me régène sur des mobs. Pour préparer le Drake, il faudrait que le Twitch vienne. Moi, bon, il push bot, mais là le timing est pas ouf. En vrai, sur une bonne engage. On a du mal à trouver les engages, hein. Ouais, je vais aller faire le Drake avec le Twitch en fait. J'ai pas de smite, hein. Ok, bon, heureusement que le Twitch avait des bons dégâts. J'étais prêt à stun le Nunu s'il venait. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Ce fight qui tourne dans notre faveur de façon un peu inattendue. Faudra m'expliquer un peu comment c'est possible, mais why not. Bon, je joue très safement, hein. Je suis à 3-0, je crève absolument pas. Allez, bah, c'est bien, je joue au con, toi. Ouh là là, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Bon, j'ai posé des dégâts avant de crever. Je m'attendais pas à ce qu'il court assez vite pour me choper. C'est vrai que j'ai que des bots de rang 1, ça c'est pas ouf. Je vais go Mercure. Bon, je fais une game très très clean, là c'était une mort pas ouf. Je m'attendais pas à me faire all-in comme ça et à ce qu'il puisse me choper. Oh, par contre le Twitch qui est détruit. Quel boss. Ça fait du bien d'avoir un AD carry parce que je vous avouerai que ma dernière game j'ai une Vayne qui a fait du 1-11 et qui a juste couru se faire tuer à chaque fois. Et là ça régale. J'ai mis une énorme pression sur le mid early, j'ai réussi à faire en sorte que le Nunu il ait pas un contrôle de map total. Et là j'ai le Twitch maintenant qui vers le late game va devenir un monstre. Donc ça bah, c'est juste génial. Ah oui, on me dit dans le chat que le Karthus m'a exhaust, effectivement c'est pour ça que je l'ai pas envoyé tout à l'heure en 2 secondes. Mais même avec l'exhaust en général ouais, j'aurais pensé que je me le faisais. Mais effectivement il m'avait exhaust, bien vu le chat Twitch. Je vais essayer de venir vers le Nash. Je suis pas trop en position, je vais arriver juste un peu trop tard. Mais ça régale. Y'a pas un petit Nunu qui se balade par là? Oh bah non, bah non! Mais non, c'est trop là, c'est trop.
Bon, j'ai grid. Hein. Je suis complètement, complètement out pause. Enfin, mauvais timing, en décalage par rapport à la team. J'étais pas là quand ils ont fait le nage. J'arrive, je crève. Bon, ça, c'était ridicule. Bon, j'ai fait une game très clean jusqu'à ma première mort. Et là, je int. Donc, on va se ressaisir. On va se ressaisir. On va aller mettre de la pression sur les lanes plutôt. Là, c'était abominable. C'était abominable. Je vais faire. Il faudrait que j'aille push top en vrai, je pense. Beaucoup de dégâts magiques en face. Bon, je vais plutôt partir sur de l'armure là, mais. Ouais, c'est pas forcément très malin de ma part. C'est même très con en fait. J'aurais dû faire force de la nature en premier. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je vais aller au bout, mais c'est débile. C'était une erreur de théorie, enfin de conception de stuff. Évidemment, quand je vais aller top, il y a Twitch qui me prend tout. Bon, après, il est bon le Twitch, donc ça, il n'y a aucun souci. Je vais du coup aller bot. Ce sera mieux. J'ai encore une bonne avance de farm sur le Nunu malgré mes dernières erreurs récentes là. Je suis mort un peu comme un débile. Encore une fois, j'ai pas d'infos. Je m'expose, hein, mais c'est un peu volontaire. Ça met de la pression, ça laisse respirer la team. De toute façon, là on a un stade où le Twitch est tellement vénère que s'il claque et tout pour me tomber, ce sera bénef pour la suite. Ça veut dire que le Twitch aura beaucoup plus d'aisance sur les fights, ils auront moins d'outils pour le choper. Et ça, évidemment, ça régale. Oh putain, je prends pas le gros sbire, je suis deg. On va essayer de venir les chercher. Je suis un peu au niveau du positionnement là, pas ouf. Allez, ah, le petit dash stun, vraiment une cancel comme ça. Bon, je récupère jamais les kills en fight, c'est un peu relou, mais bon, c'est ok, vu que la team elle joue bien derrière. Allez, ah, le petit flash stun, ça régale le tigre, hop. Ça, c'était mérité. Drag 30 secondes, on va avoir le soul. Vraiment, GG la team. Ça fait du bien d'avoir une team qui suit. Anivia qui a pas tilt malgré son early où elle s'est fait détruire, ça c'est cool aussi. J'ai juste le temps de sécuriser le carap. J'ai même un peu de rab en fait sur le timing. J'aurais pu aller push la wavebot éventuellement. Tiens, je vais aller check qu'ils aient pas la plante. Ça c'est full bénef hein, pour éviter de se faire voler le Nash, le Drake. On y va ou pas? Bon. Je vais back en vrai, j'ai de quoi m'acheter un item, j'ai 2000 gold. Hop. Bon, je vais pas continuer à prendre de l'armure parce que c'est vraiment débile contre leur compo. Je vais attendre de pouvoir me prendre la force de la nature, ce sera bien plus opti. Je vais go bot encore, hein, je pense mettre de la pression. Il n'y a pas trop de Nashor là, il n'y a aucun objectif en termes de timing. Je suis assez vénère là au niveau de mon stuff. Je peux faire beaucoup de trucs. Il n'y a pas le Malphite par là. Là, j'ai une capacité à split push qui est juste colossale. Hein. C'est un peu le but de mon stuff à la base. Alors, ça faille bizarrement. Nunu top. J'ai encore 50 de farm de plus que le Nunu, je maintiens mon avance en termes de macro. Normalement j'ai aussi beaucoup d'avance sur les levels. Je le chope ou pas? Ah, je vais encore me prendre du 1v2 tout le temps en fait, c'est juste mon destin c'est ça? Ah non, 1v3 pardon. Mais... D'accord, je peux pas le toucher. Normalement en vrai qu'il soit 3 comme ça à mettre tout dessus, ça devrait permettre à la team de faire des trucs mais... Je suis un peu choqué. Ouais, c'est vrai qu'avec le TF, il y a une capacité à aller sur la map un peu partout assez strong. Et je vais moins vite parce que j'ai pas la Trinité. Hein. Normalement, j'étais habitué à jouer en Trinité. Et le fait de pas l'avoir fait quand même une sacrée diff sur la mobilité. Mais après, il y a du scaling hein, parce que ça me fait 3% de vitesse de déplacement par item. Donc je pense qu'en late game, je suis probablement plus mobile. Mais là, en espèce de fin de mid game, c'est du coup pas full opti. C'est pas grave, c'est normal, hein, ça fait partie aussi de la redécouverte de cette nouvelle saison, enfin de la découverte tout court en fait, où il faut que je me réapproprie les nouveaux stuff et les nouvelles mécaniques. Vitesse de déplacement encore, let's go. Tac. Je veux juste tracer moi.
Je veux juste courir comme un ouf. Bon, moi j'ai un early game hyper clean, un contrôle de map très très propre, et là je me suis un peu. J'ai enchaîné les erreurs de placement et de prise de décision. Et heureusement, bah, j'ai ma team qui suit et qui détruit tout, donc bah, tant mieux. Si on compare à ma dernière game où j'ai fait une game hyper propre et j'ai perdu parce que je me suis fait int, on va dire ça compense un peu. Bon, après, je suis niveau 17 avec un stuff de psychopathe, hein, donc si on termine pas maintenant, je vais quand même pouvoir faire des trucs. Je vais continuer à mettre de la pression sur les lanes, aller check la jungle topside. Faut qu'on joue autour du nage maintenant. Hop. Ça, y a besoin d'aide là ou pas? Faut pas que je me fasse catch, hein. C'est pas le moment de crever solo, ce serait un peu dommage. Je vais me replacer. Ok, y a un ennemi par là. Le red buff, je voulais le laisser au Twitch, mais il est bot side donc je vais le prendre. Ils ont pris la vision. Ah, ils me font peur. C'est quoi ce placement? Attention. C'est pas le moment de crever. On aurait presque pu faire un truc, mais on n'a pas le Twitch. Hein. Il faut surtout pas engager sur le Twitch. Ah oui, pas mal le stun là. Allez, monty. Ah, je pensais même prendre le kill au tigre. Ok, bon, je prends le stun, mais c'est ok. Faut faire attention au flanc du Malphite. Je vais le chase. Vraiment là. J'essaie de sécuriser le côté un peu latéral. Ok, bah je ne sers à rien. En vrai, on finit, je pense. J'ai voulu être là en sécurité en fait, mais j'ai juste fait le tour et ils étaient morts le temps que j'arrive. Donc bon, bah GG à tous. Bon, je fais quand même une game overall où j'ai fait un bon taf, mais j'aurais pu être bien meilleur encore. Stylé, stylé. Le Nunu 100% win rate, et non. Ah, il a quand même fait une très belle game, hein. Il a mis une sacrée pression. En vrai, je vais mettre un sang-froid à Nivia, je pense. Pour ne pas avoir tilt malgré sa game assez abominable. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui continuent à jouer, alors qu'ils se font démolir. Hein. Bon, ça, on s'en fout. Oh. C'est relou. Oui, c'est bien. Ouais. Bon, écoutez, voilà, game qui est parti vraiment très très fort pour moi, très très bon early, et après je me suis un peu essoufflé, j'ai fait des erreurs, mais la team a pris le relais, donc ça régale. Après, en Udyr player, c'est un peu comme ça que c'est censé se passer, on va dire, hein. Très très strong en early, après ça s'essouffle, et bah, le Twitch qui a juste détruit les teamfights, et le set qui avait toujours des très bons comportements de focus dans les fights, dans les placements et tout. Donc franchement, GG à tous, hein. Ils mériteraient tous de l'honneur, allez, même le Seraphine parce que je suis de bonne humeur, ça va avec. Voilà, écoutez, j'espère que cette game vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.